Par trois impacts, la quatrième arche du viaduc est soufflée aux deux tiers, tandis que l'église Sainte-Hélène est sérieusement endommagée. 48 autres bombes tombent aux alentours. L'une d'entre elles, malheureusement, va exploser sur l'école Notre-Dame de Lourdes. 39 petits écoliers âgés de 4 à 7 ans y perdront la vie, ainsi que leur institutrice. En 1975, le viaduc est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Grâce à la modernisation des équipements ferroviaires bretons, le TGV Atlantique est alors mis en service de Rennes à Brest le 24 septembre 1989. On peut désormais accomplir le trajet Paris-Morlaix en 4 heures, à une vitesse moyenne de 160 km/h.